match. Tremblay face à Chabot. Au centre, on est prêt. Mise en jeu qui est remportée par le centre des Éperviers. Guillaume Nessel, qui est un ancien produit des Rebelles ici même à Sorel-Tracy. Donc, qui connaît très bien le col du gardien. Dumas qui vient de prendre un lancer là, à la reprise du jeu. Il vient de toucher le poteau. On amorce la contre-attaque. On accélère à tous les Asselin en zone neutre. Asselin échappe le disque. Il réussit à le récupérer. Frappé solidement par Napessi André. Là. Effectue des changements là, chez les troupes de Christian Deschênes. Passe en direction de Paquet-Baudreau qui récupère le disque. Paquet-Baudreau, il est seul dans la clave. Il va le tir. L'arrêt du gardien Dessel. Quelle séquence là-dessus, David. C'était spectaculaire. Paquet-Baudreau qui envoie le long de la rampe. C'est en direction de Gertin. Qui laisse pour Marcotte. Marcotte tire. L'arrêt de Graham. On disait que Grundy n'a pas eu l'arrêt spectaculaire à faire. Il vient d'en faire un, David. Derrière la ligne début, Boudreau conserve bien le disque. Amène à Heinz. Heinz à Carrier. Qui va le tir. Ça revient dans la clave. Le retour. Quel arrêt de Guillaume Dessel là-dessus, là. Oui, on a cherche les options, c'est de relais à nouveau, passe en brodeur. Il y a un tir, l'arrêt de Dessel là-dessus, on essaie de le surprendre. Et la rondelle qui réapparaît devant le gardien Dessel. Oui, David Massé qui lâche les gants. Il a massé avec Paradis, ça a brassé derrière le filet. Et on a décidé que ça y était. À nouveau, Caouette qui trébuche là-dessus, et là, il y aura un 2 minutes. Là. Et là, on a sorti le genou également, donc 2 minutes, David, si je ne me trompe pas. Là. Et là, c'était à la limite de la légalité, le genou qui fut sorti cette dernière séquence. Là. Oui, là, il y a du brasse camarade. Là, on n'a pas appelé 6 Gers de Borsois. Non, ça n'a pas passé du tout. Et là, Marcotte et André, on y va à qui mieux. Gertin et Carrier également. Récupéré. Beaulac conserve bien la rondelle, passe en direction de Brodeur en zone neutre. Brodeur aperçoit Caouette qui se faufile entre les défenseurs. Caouette, il y a un tir et but! Olivier Caouette qui vient donner les devants aux Éperviers. Oui, les Éperviers là, qui ont réussi à sortir la zone de façon convaincante. Calmer la rondelle, la ramener derrière lui, la laisser à Heinz. Heinz accélère. En sortie de territoire. En zone neutre, Heinz à nouveau. Avec Pierre Morissette assez sur son flanc droit. Là. Heinz à nouveau tire. La revue! Olivier Heinz qui double avant la marque pour les Éperviers. On venait de voir Olivier Heinz qui a mené à la pénalité d'Asselin faire une super belle entrée de zone. Ça revient à Pierre Morissette dans la table. Tire, il part du revers, il tire. L'arrêt, la rondelle qui sautille à nouveau. Ça revient. Ça quitte le territoire des 3L. Et là. Passe en direction de Bouvet-Morissette. C'est une passe en zone centrale vers Boquin-Boudreau. Boquin-Boudreau soutire le disque au défenseur. Tire les buts! Gabriel Boquin-Boudreau qui récidive, David. Tout un but, toute une fin face au défenseur des 3L. Pas de main dans le territoire des 3L. Il va être frappé solidement par Novosad. Brodeur a du mot de l'autre côté. Dumas à Marseille, il va d'un tir puissant. Beau jeu de l'amour là-dessus, lui, qui a bloqué le tir du 58 des Éperviers. Marseille à nouveau d'un tir. À nouveau à la droite. Tire le côté des buts! Olivier Caouette qui vient marquer le quatrième des Éperviers. Et on aura encore un avantage numérique de 1 minute 15, David. Caouette accélère. Caouette en zone neutre avec Wakehead. Caouette, il va donner une passe à Wakehead. Et belle arrête Dessel là-dessus. La Dessel qui vient voler Antoine Wakehead. Intercepté par Heinz. Heinz va de l'autre côté à Boudreau. À l'enclave. Heinz, but! Quel tic-tac-toe spectaculaire. Boudreau, Boudreau. Pouvait mourir 7 et 1. C'est Heinz qui vient enfiler l'aiguille. Paradis en zone 1 dans notre territoire sorellois. Paradis réussit à couper dans l'enclave. Tire. Et là, la rondelle qui apparaît tout juste devant. Et on appelle le but du côté de l'officiel. On dit qu'on a marqué. Ouais, on va voir à la reprise. Je pense que c'est Jean-Philippe Chabot qui réussit à marquer pour les 3L. Donc, un premier but pour les 3L. Alors, Jean-Philippe Chabot là, qui s'inscrit en avantage numérique. C'est les Éperviers qui vont chercher une victoire par la marque de 5 à 1. Une deuxième cette fin de semaine pour la troupe de Christian Deschênes. Et on va aller directement au sommaire du match dans quelques instants. Les Éperviers qui terminent le premier quart de la saison.